Il y a les sorciers ici. Il y a sorciers. Si vous ne parlez pas, moi je reçois des gens. Il y a sorciers. Qui est sorcier? Levez le doigt. Qui est sorcier? Hey, toi tu es là. Tu es là? Je t'ai pas dit rien. Je ne souris pas à moi. Je ne suis pas en train de sourire à toi. Je t'ai pas dit de partir. C'est pas toi et pas. Hé! Hey. Ici là, je suis toi. Lève-toi. Qui l'a envoyé ici? Où sont ses parents? Mais pourquoi ici? Mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi? Père Dieu a dit la vérité. J'ai dit qu'elle est sorcière. Après, elle vient dire qu'elle est sorcière, qu'elle n'a jamais beaucoup de temps. Elle dit que c'est pas vrai qu'elle n'a pas beaucoup. Combien de personnes? 11 personnes. J'ai dit non. Mais c'est pas aujourd'hui. J'ai dit que oui. Elle va dire tout aujourd'hui. C'est à toi, elle a dit. Bon, il a dit avec ses mari. Où est Maria? Où est Maria? Venez ici. Toi, comment tu fatigues les gens? Allez, ta main, ta bouche. Excusez-moi. C'est ta femme. Non, c'est la femme, mon frère. Hein? Où est ton frère? Il est où? Lui, là. Hein? Mais elle, pourquoi ici? Mais elle est venue faire une délivrance. Lui, mais il est où? Hein? Mais pourquoi elle est vieux, sa femme est dans le problème de délivrance, puis lui, il est dehors. Il ne vient pas. Ah, pourquoi lui, il ne vient pas? Expliquez-moi. Toi, dans tes frères, le propriétaire même ne vient pas. Expliquez-moi, monsieur. Je dois recevoir les gens, hein. Parce que moi, je n'ai plus, je ne suis même pas prêt pour lui. Non, non, qui, pardon? De elle à moi qui a besoin de son camarade. Mais pourquoi elle perd mon temps? Pourquoi elle perd mon temps? Quand tu tues tes sorciers, on va te délivrer. C'est mon temps que tu veux perdre. Pourquoi? Mais pourquoi, pardon? Hein? Mais pourquoi son mari ne vient pas? Explique-moi, monsieur, je veux te comprendre. Il ne sait pas qu'elle est ici. Donc il est venu sans qu'elle ne sache. Non, non, elle est venue pour se marier. Elle est venue pour se marier. Je ne comprends pas. Pas où elle est maintenant. Vous pouvez bien expliquer. Pourquoi elle est ici et son mari n'est pas encore venu? Elle est ici pour un sujet de société. Mais et son mari, il est où? Son mari, lui, il a vu. Maintenant, quel est le rapport entre toi et elle? Je suis le grand frère de son mari. Tu es le grand frère de son mari. Maintenant, ton grand frère, ton petit frère, il est où? C'est celui qui a vu la bio. Il a vu pourquoi? Ça fait combien de temps il est ici? Et puis lui, il ne vient pas ici. Expliquez-moi pourquoi il n'est pas encore venu. Expliquez-moi, monsieur. C'est moi qui vous envoie ici. Non, non. Comment vous êtes venu ici? Non, c'est un agent de l'armée. De qui ça? Un agent de l'armée. L'armée? Quelle armée? Un gendarme. Pourquoi? Comment il vous a guidé ici? Mais quoi, il y a eu quoi? Et puis un gendarme vous conduit ici. Donc il s'est retrouvé dans la mairie. Mais pourquoi vous ne pouvez pas parler ce que vous devez dire? Vous voulez que je vous pose des questions. Donc elle s'est retrouvée dans la mairie. Il y a eu quoi là-bas? Non, c'est le chevet du gars là. L'armée là, vous n'avez pas trouvé dans la rue. Non, non, le gendarme. Nous sommes allés chez lui pour traiter. Quoi? Le sujet. Vous êtes allé à la gendarmerie. Oui. Il ne faut pas brouiller l'esprit des gens. Vous êtes parti à la gendarmerie parce qu'il y avait. Il y a eu quoi? Bon, là-bas, lui, je l'ai trouvé. Non, il y a eu quoi? Vous êtes parti à la gendarmerie. Non, stop, ça veut dire quoi? Il y a eu une mésentente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, 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 ça veut dire parler. Ils ont bien déçu le monsieur. J'ai dit, où est son mari? On dit, il est dehors. On l'a appelé. Il dit, non, il est le grand frère de son mari. Donc, c'est lui qui est le responsable. Pourquoi on m'amène ailleurs? Moi, je n'ai pas le responsable. Oui? Non, prophète. Je ne suis pas gendarme. Ce gendarme a tué des messieurs.
S'il y a des papas, où est-ce que c'est? Et papa, nous sommes arrivés chez le gendarme. Non, elle n'a pas trouvé terrain encore. Ça veut dire quoi? Moi, j'aime, tu sais, moi, peut-être que c'est pas. J'aime les questions bizarres. Et j'aime les explications bizarres. Toi, tu entends de cacher quelque chose. Ce qu'elle entend, vous n'allez pas trouver. Je m'en mérite, vous n'allez jamais vous entendre avec les sorcelleries. Non, elle t'a dit comment? Oui, elle n'a pas eu quelle entente en la zone américaine. Et j'ai dit quoi, lui? Tu as une information, moi je viens entendre l'information. J'étais dit comment? J'étais là quand tu étais pas dans l'Amérique. Non, mais où t'as dit de venir pour quoi? Ah, parce qu'il y a eu quoi? Quoi il y a eu sorcellerie? Il y a eu quoi pour être rendu la gendarmerie? Pas dire la gendarmerie. Est-ce que c'est passé? Ah! Tu es dedans ou bien? Tu as mangé plus là ou bien? On dit les choses, bébé. Tu tournes là, oh non, c'est où tu vas arriver. Tu prends l'eau en bas tout droit. Il y a la poupée qui. Je l'ai vu, puis je t'ai parlé. Elle a bouffé qui? Elle a bouffé qui? Elle a bouffé nos parents. Vous, ça dit beaucoup. Qu'est-ce que vous a conduit spécialement ce jour-là à la gendarmerie? Elle a fait quoi? Et vous êtes retrouvés à la gendarmerie. Il faut parler. Bon, papa, à la maison, on a eu près de 7 parents. Et elle a été coupable de ce qui se passe à la comment maison. Elle a été coupable? Et là, nous avons. Et les étudiants sont célébrés. Comment? Comment est-ce que c'est elle? Il va parler. C'est français, la parole au ministre. Il va parler. Il lui rend ça joli. Oh non, qu'on est. C'est ce que tu as parlé pour venir à dire. Tu vas parler. Il n'y a pas une Ivoirienne qui va parler français. Non, mais maman n'est pas français. Mon papa, c'est MEP pour commencer nous à expliquer le sujet. J'ai un problème. Tu jouais le sujet. Non. Ce qui t'a conduit ici, là, c'est parce que tu as été convaincu qu'il y a quelque chose pour trouver une solution quelque part. La gendarmerie n'a pas trouvé une solution que tu es venu avec elle. Mais ce qui t'a poussé à prendre le cas pour venir à Divo, explique-le. Papa, je suis venu pour que, à votre présence, elle puisse faire des aveux. Elle n'a pas fait là-bas. Pour la délivrance ici. Elle n'a pas fait. Donc c'est pour ça que son mari n'est pas venu. Il ne croit pas qu'elle est sorcière. Ah, maintenant ça sort. Son mari ne croit pas que sa femme soit sorcière. Mais toi, tu veux qu'il la délivre. Maintenant toi tu l'as envoyé pourquoi? Tu l'as envoyé pourquoi? Je l'envoie pour que passer des aveux. Toi tu crois? Quelle est la sorcière? Bon, plus que moi je ne suis pas pratiquant sorcier. C'est pas parce qu'on est sorcier qu'on croit à sorcier. Tu crois qu'elle est sorcier ou pas? Bon, je crois. Depuis quand? Depuis ce moment qu'elle a commencé à faire pour ses actes. Oh, viens ici. Viens, ah. Comment tu marches? Tu me connais? Hein? Et te demande, faut parler. Hein? Tu me connais? Tu ne te connais pas? On n'a jamais parlé ici. Je n'ai jamais parlé à toi ici. Je n'ai jamais parlé à toi. Elle parle français. Je parle français. Je n'ai jamais parlé à toi ici. Faut pas me fatiguer. Je peux donner le micro là-bas. Non, lui, il ne croit pas qu'elle est sorcière. Ouais. C'est ce que vous ne savez pas. Moi, je suis expert dedans. Lui-même, là, il ne croit pas qu'elle soit sorcière. Donc, il embellit la chose. Il veut que ça sorte de sa propre bouche. Que lui, il se dédouane déjà. Moi, il connaît. Moi, je suis expert dedans. Hé, hey,
Qui t'a envoyé ici? Faut parler ou bien? Ton mari où est? Il est resté à moi. Qu'est-ce que tu dis? Parce que Marie, il est resté où? Hey, pourquoi elle va me fatiguer? Faut lui parler. C'est ce que j'ai dit là. Et lui, il est resté là-bas. J'ai dit, tu es venu pour quoi ici? Oui, non, madame. Elle est venue pour la délivrance. Pourquoi? Elle est quoi? Elle est venue. Maman. Donne le micro. Elle dit quoi? Faut lui donner le micro. Elle parle la langue. Quelle langue? Mais tu n'as pas été répété? Elle était couchée et là, les gens sont venus vers elle. Oui. Tu es qui, toi? Tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Selon elle, où est son mari? Je suis sorcier. Mais c'est quitté où je suis couché, quelqu'un est venu. C'est quitté où? Derrière, non. Qui l'a envoyé là pour s'asseoir là? Qui l'a envoyé là pour s'asseoir? Tu es sorcier ou tu n'es pas sorcier? Elle est sorcière. Tu as fait quoi? Elle me l'a pas. J'ai détruit les choses. Quelles choses? Maintenant tu es là. Détruit les affaires des gens. Détruit les études. Ils n'ont pas de nom. Moi-même. Pourquoi vous allez me fatiguer? Celle-là, je ne voulais plus la voir ici. Je vais encore partir la dernière fois. Pardon. Mais attends, tout ce monde-là, je dois travailler. Ça veut dire quoi? Moi, je vais dire, je ne vais plus partir, ou bien? Maintenant, hé, je t'ai pas dit de partir la dernière fois. Hein? Mais pardon, pourquoi? Tu n'as pas de parler, va t'associer. Donne-le micro. Tu traduis. Non, laisse-la. Elle a détruit l'école de 4 personnes à la maison. Voilà, donne le nom de 4 personnes. Bi. Moi. Toi-même, attends. Moi-même. Gâtez quoi, chérie? Et maintenant, c'est Ramba. Mon école. Comment? Nani. Elle transforme mon résultat à une nouvelle personne. À l'échec. À l'échec. C'est-à-dire quand tu donnes un bon truc, elle gâte ça. Elle gâte ça. Comment tu fais? Il y a quelle année? Elle efface mon nom sur la liste d'admis. Des admis? Oui. Ça, c'est grand frère. Je suis le grand frère de ce. Maintenant, Marie, elle a fait quoi, Marie? C'est un grand grand frère, c'est que Marie la même. Dès qu'il a mis là-bas. La vérité. Elle a pris l'âme de son mari. Ah! Ça fait quoi? Hé, hey, vous parlez bien ou bien? Elle a pris l'âme de son mari. Quelle âme? Alié Dere. Oui, au bain de Tarebo. Non, on va peut le tuer. Manger? Oui. L'attacher? Ton mari, vous dormez ensemble. Tu t'embrasses pas. Je veux savoir. Quand quelqu'un t'embrasse, tu veux le manger à son gré. Elle n'a jamais embrassé le monsieur. Il y a les deux, moi. Il y a les deux, et non, moi. Elle dit qu'elle n'est pas embrassée. Excusez-moi. Non, tirez-moi. Tu vas là, dans la paix, je t'embrasse, mes coups. Non, tirez. Je ne les connais pas. Tirez. Bon, c'est pas ton mari. Pourquoi tu veux plus le manger? Hey, c'est pas de toi.
Mais elle quand même dit, je veux parler à vous dire, mais à dire au moment temps, regardez. Moi j'ai affaire à elle. Je ne peux pas faire à quelqu'un. C'est toi qui viens t'asseoir là. C'est pas ma faute. Qui l'a attaché? De la Yéré là. Qui a pris son âme? De la Diésia. Hé, tu n'as pas été parlé ou bien. Non, bébé, de la Diéré là. De la Diéré là. Moi-même. Vous avez quitté où vous me venez ici? Nous avons quitté à Kounari. Kounari, c'est bien où c'est? Dere Boiflé ou bien? Dere Boiflé. Oui, venez ici, c'est vous jouez nous bien. Tu es enfant de monsieur. Papé Venao, papé non, néo. Oui, un enfant, une fille. Mais c'est pas bon, il t'a jamais fait. Tu vous dormez ensemble, tu te touches la nuit. C'est lui qui nous pense que tu veux manger. Pourquoi tu fais ça? Mais maman, vais appeler. Vous m'en appelez. Vous avez compris. Hein? C'est une femme sorcière. Non, c'est un cas de remboursement. Un cas de remboursement. Ah, c'est Copec ou bien? Quand la crédit est remboursée, Copec, c'est l'agence. Et salut Copec, ça a toujours dit les parents. Tu prends crédit, tu rembourses son mari d'intérêt. Hein? Tu as pris crédit de qui? Et de la Cassia. Bien donné. L'amant de Tchata. C'est Tchata de qui? Vous avez dit que tu as mangé pour elle? Elle lui a donné à manger. Donc pour rembourser. Voilà. C'était doux quand tu as mangé. Et à Nana. Et à Nana. C'est doux ou c'est pas doux à... Oui, c'était doux. Ah. Elle dit, et à Nana. Et à Nana. Si à Nana, tu as donné. Non, c'est non. C'est sauce mangue là. Et à Nana, ça dit sauce légère. Tu as mangé pour les gens. Pourquoi tu as mangé? Ils vont manger pour toi. Donc tu l'as attaché. Là. Oui. Mais pourquoi la dernière fois tu ne voulais pas parler? Mais elle a sorti un peu de yard. Elle confirme si je dévoile, elle va me tuer. Donc tu es venu fatiguer le prophète. Et donc non, prophète. Donc tu n'es pas venu te faire délivrer. Non, on vient te délivrer. Tu dis si tu dis, on te détruit. Non, on est venu te délivrer. Ici, on ne délivre pas les gens. Ouais, t'as tué vous... combien de gens? Et mais où est la dia? Et mais où est la dia? On a essayé d'arrêter ce problème. Oui. Et mais où est la dia? Celle-là n'a pas été parlée. 11 personnes. Hein? 11 personnes. La dernière fois, j'ai dit quoi? Et puis hier, ouais. J'ai dit quoi? Elle me dit je n'ai pas dit. Non, non, faut laisser. Elle me dit pour pas dire. Moi j'ai dit quoi la dernière fois? Il m'a fait dans les yeux. Ah, vous avez dit que tu es 11 personnes. Et toi t'as dit quoi? Elle dit rien. Elle dit j'avais peur. Non, tu as répondu quoi? Baby, elle répond c'est non, non. Ah, il y a répondu c'est non, non. Il y a réponse à Annie Boubdé Yoye. C'est là, je ne voulais plus la voir ici. Non, mais c'est vrai. Pardon, comment? Elle dit réponse à les addictions, il a pourquoi Dieu les envoyer? Non. La réponse, non. Mais pourquoi? Maintenant, moi. Eh, j'avais peur. De quoi? Maintenant, lève. Et combien ça? Deux. J'avais peur de la main de Tchata. C'est eux qui te posaient la question ou c'est moi? Où est la question? C'est le père qui posait la question. Non, et ça c'est une promesse encore dessus pour programmer. Et un de mes petits frères. Non, on n'a pas encore bougé. Je lui ai dit tout à l'heure. J'ai dit 11. Elle dit non. C'est pour dire que je te connais. Je vous connais bien des sorciers. Je ne peux pas parler à votre place. C'était pour t'aider. Tu ne voulais pas parler, il faut partir.
Parce qu'on ne pense pas quelqu'un, ce ne sont pas des montagnes. On ne t'emmène pas pour te dire, voyez ce qu'il t'a fait, oui, il fait ça. Voyez ce qu'il t'a fait, oui, il fait ça. Non, pourquoi? On attend de t'aider. Moi, je suis en train de t'aider et tu dis, tu ne veux pas parler. Tu veux qu'il fasse quoi? Elle demande pardon. Non, 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 non. On va d'arriver par. Il faut qu'elle m'explique ça. Moi, je suis en train de t'aider. C'est toi qui as tué. Comme j'ai envie de t'aider à être délivré, j'ai dit, bon, pourquoi on parle vite? Tu as tué un homme. Tu dis, non, tu as tué une personne. Je t'ai frappé pour tuer 11 personnes maintenant. Jésus, on connaît même pas de gamper là. Non. Maintenant, pourquoi tu reconnais ça? Mais tu avais appelé, on est dans la tête. Il t'a dit quoi quand tu as dit non? Je vais partir. Appelé Guy David. Oui. On n'est pas parti. Mais là, il y a Guéla. Elle demande clémence. Non. Elle explique pourquoi elle n'est pas parti. Mais tu avais acquéré. Mais pour elle, vraiment. Je suis resté pour que vous m'aidiez. Interdit comment? Non, non. On t'a toujours, on a voulu toujours t'aider. Au bout maintenant, non. Tu as tué 11. Bon, dis-nous les 11. Tu peux parler. Et mais où est-elle? Et mais vous t'as de l'autre dire. Où sont tes enfants? Et né où est? Et né où est? J'ai une fille. Et puis? Mm-hmm. Hé, t'as tué combien? Et mais où est la tire? Dernier. Et mais où est la tire? 11 personnes. Bon, donne-nous le nom des 11. Du premier jusqu'à la dernière personne, t'as tué. Et mais vous êtes toi? Vous êtes témoin, non? Vous êtes venu représenter le mari. Ouais. Je l'ai forcé pour parler? Non. Elle ne voulait pas parler, je l'ai ramené. Uh-huh. N'est-ce pas? Mmh. Ils sont de fausses personnes. Hein. Okay. Vous êtes témoin. D'accord. Je n'ai jamais forcé. Okay. Voilà. Donc, ici, là, quand tu ne parles pas, voici la porte. Tu t'en vas. Parce que tu es béni, tu t'en vas. Ils sont de fausses personnes. Okay. On peut t'aider. Si tu ne veux pas de l'aide, nous, on a des mains. Okay. Tu es de fausses personnes. La délivrance est une question de volonté. Okay. Parce que si tu veux, Dieu te délivre. Mais nous, on veut entendre ce que tu as fait. Donc, il y a sans tout. Vous t'as mais très bien que la yatia non oui au tosi todo qui a appelé les béatia qui est un bébé j'ai tué ma petite soeur d'attir non oui voici non oui prince elle s'appelle princesse hein elle n'a pas de nom de princesse hé madame. Pourquoi fatiguer les gens? Hein? Ben, Daisy. Ben, non, ouais. Mon grand frère. Où est-ce qu'il est? Les gens, tu as tué où tu es là? C'est ce qu'on a envie d'entendre. Mmh. Tu es en train de nous emmerder pour rentrer là. Lui s'appelle Gérard. Il est mort quand? Ben, Gawa, t'es là. Ça date un peu longtemps. C'était qui? Son grand frère. À part ta famille, dans la famille de ton mari ou là où tu es. Famille. Mon père. Je parle de qui? Moi-même, mon père. Ah, son beau-père? Ouais. Elle a mangé? Ouais. Comment? Nané. C'est la main de Jota qui l'a encouragé. Comment tu as tué? Il y a Nané. Je suis allé prendre son âme. C'est ce que tu as fait? Que je vais entendre. Tu as fait avec qui ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ouais, et puis j'envoie ça au camp. Elle a transformé. Et puis elle m'a remis. Et puis tu es gorgé. Et oui. C'est toi qui as tué. Et tu as mangé. Tu as mangé. Moi. Oui. Quelle partie? Bedrazi. La tête. J'imagine le beau-père dans une soupière, en train de tirer les narines, les oreilles. C'est son mal posé. Dis-toi là, mais c'est ta nuque là, elle mange même. C'est une nuque là, mais elle mange. Des petites nuques là.
Ça dit qu'elle m'a tué tout le monde. Pourquoi? Moi, je veux qu'elle s'appelle de Gatala d'abord. On va dire Gatala, ça va venir après. C'est ce que tu as fait. Et ce est devenu homme. Et je l'ai appelé trois fois. Son âme est sortie. Et j'envoie ça au camp. Elle a transformé. Elle l'a tué. Et puis, à manger. Oui. Pourquoi parler bien? Oui. Tu as mangé? Oui. C'était doux. Et Anana, oui. Ta belle-mère. C'est quelle sauce? Zien de là-bas. Zien de là-bas. Quelle sauce? T'as mis belle-mère dedans. Sauce arrachée. Hein? L'intulé appelle ça Tigana. Ah, ma belle fille, elle est bien. Oh, c'est ta sauce arachide. Tu vas rentrer. Et tu l'as mangé. Hein? Hé, hey, madame, parle. Je parle. Quand je vous parle, répondez. Oui. C'était doux. Yeah, non. Ouais. Quelle partie t'as mangé? Quoi et quoi? Elle m'a servi pitié. Pas de blague ici. T'es une menteuse. C'est celui qu'on a, qui a envoyé sa viande, on le sait. Pas petit. Diabé de la Zibla. Et Dénin. La tête est pour moi. C'est ça qui est petit. C'est ça qui est petit. T'as donné tous les cris. Et à peu près, ainsi. Hein? Oui. C'est moi qui t'ai demandé de dire ça. Il aurait bien dans le pays. Non. Quand vous avez envoyé à Jean-Denis, il a dit quoi? Oh. C'est quelle histoire que vous envoyez à Jean-Denis? C'est le même problème. Quel problème? Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Quoi? Il y a eu quoi quand vous allez partager en Amérique? Qui est mort, vous allez partager en Amérique? C'est les parents. Quels parents? Mon père et la vieille. Ce que la vieille a tué. Quand? Pourquoi c'est maintenant sa soeur? C'est quand il a tué? Et ma maman, elle est morte l'année qui vient de finir tout à l'heure. Elle a été la dernière personne à la maison après mon père. Comment vous avez su que c'est elle qui l'a tué? Comment vous avez su? Armel, je te pose ça. Comment vous l'avez tué? Comment? Non. Ça a tiré l'année. Oui, on est du gauche. Demain. Je comprends. Quand ils sont morts à la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le capteur m'a envoyé la ferme. C'est maintenant pour la tuer. Hein? Mais les clavets qu'a dit. Oui, il a fait. Oui, il a fait. Oui, il a fait. Oui, il a fait.
Je ne mangerai pas qu'ils m'ont consigné d'envoyer un remboursement. Mais pourquoi c'est maintenant ça sort? Vous-même, là, quand vous allez marier femme, pourquoi vous ne voyez pas clair? Ok. Après avoir tué les deux parents, et la main de Tchata s'est dépêchée à aller chercher âme. Hey, c'est que toi tu as fait. C'est la dernière fois que je parle. Bikerakla pri. Tchata n'est pas quoi. Bikerakla pri. Hey, je peux écouter. Hey, je peux t'écouter. C'est quoi ça? Voilà, je partais prendre. Mais c'est ce qu'on t'a demandé. Qu'est-ce que tu as fait, monsieur? Tu rentres ici, tu sors ici. Tu as fait notre temps. Tu as fait quoi, monsieur? Je partais prendre son arbre et je n'ai pas pu. Comment tu n'as pas pu? Mais le père Solé. Tu n'as pas pu prendre ton arbre. Pourquoi? Parce que. Je ne sais pas. Il est fort. Tu as eu la chance. Il ne sait même pas. Ça veut dire qu'il n'est pas chrétien. Vous comprenez? Lui-même, il ne sait pas pour n'avoir que son âme. Ça veut dire que lui-même n'est pas engagé dans la foi. Il ne sait pas. Comment t'as voulu prendre son âme? Qu'est-ce que t'as vu, t'as pas pris? Et maintenant, il y avait un seul à dire, s'il est. Un chrétien allait répondre tout ça à cause du Seigneur. C'est clair? Lui-même, c'est... Je l'ai appelé, il n'a pas répondu. Il ne s'est pas venu. Comment tu as fait? Il y a quand même un seul à dire. Tu vas à l'église? J'étais à la porte que je l'ai appelé. Maintenant lui il était où? Mais moi, il était dans la maison. Mais pourquoi t'as pas marché? Mais quand il a marché, il n'y a pas la main. Il est fort. Il a quoi? Maintenant encore. Je sais pas. C'est pourquoi t'es pas mort? Pour que Dieu tu marches avec Dieu. Amen. Voici la vraie raison. Mais toi, t'as quelque chose. Mais c'est la vérité. Tu n'es pas mort parce que pour que tu rencontres le Seigneur en ce jour. Amen. Mets-toi à genoux et t'as mis à cette pièce. Non, pas toi. Hey. Toi. On est comme ça. Sinon, en est pas jamais dit. Bague. Lève ta main. Tu connais Jésus? Hein? Tout comme ça. Il sourit. Il est chaud spirituel, lui dit rien. Tu connais Jésus? J'ai dit Jésus. C'est moi, hein? Donc tu as appris de Satan. Depuis les nés, ça a peigné le même pied dans l'église.
Donc tu choisis quoi? C'est Satan ou c'est Jésus? Pas choisir Jésus. Dans sauce, combo. Toi, tu connais pas la paix de Jésus? Hein? Tu connais pas? Hein? On a du boulot à faire. Hein? Pourquoi pas t'évangéliser? 29e siècle, quelqu'un connaît pas la paix de Jésus? Toi, tu n'as jamais vu le film là? Film Jésus. Faut-il lui la croix? T'as pas vu? Tu comprends pas. Tu vois ça comme film. C'est terrible. Tu vois ça en film. Il a pitié. Le pauvre on l'a pitié. Le pointe. Le pauvre. Tu veux l'accepter? Dis Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je ne suis pas, hein, c'est sérieux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Entre dans mon cœur. Et fais de moi la personne que tu désires. Que je sois. Amen. Pardon tous mes péchés. Amen. Maintenant je prie. Merci parce que le salut est entré aujourd'hui dans sa vie. Tu permets qu'il expérimente, qu'il ne connaisse point la mort et qu'il t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les autres. C'est-à-dire, nul ne peut venir à moi sans que le Père ne l'attire. Merci. De t'avoir révélé à ce jeune homme et merci de le sauver. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Lève-toi. Comme tu ne connais pas un peu de Jésus, aujourd'hui tu l'as accepté. Mais tu vas comprendre que c'est comment, il va te où, il est rentré dans ton cœur. Maintenant là, tu dois aller où on le prie. Chez vous, il n'y a pas d'église. Oui, c'est petit sûrement. Il y a fait des fétiches aussi là-bas. Il y a un coin des fétiches, puis il y a affaire d'église. Donc ça veut dire qu'il faut laisser affaire des fétiches là. Avant, tu étais enfant de Satan. Tu as compris? Maintenant, tu as fait de Dieu. Donc, l'église là, il faut partir. On va t'aider parce que c'est important qu'on t'aide à comprendre qui est Jésus. Vas-y. Tu as été touché, tu as été sincère, tu ne le connais pas, c'est la vérité. Comment tu peux courir à quelqu'un que tu ne connais pas? Et ça, j'ai été vraiment touché pour voir combien de fois on n'évangélise pas, mais on est toujours prêt à insulter les gens, mais on n'évangélise pas. Il faut évangéliser les gens, il faut leur amener à Jésus. Aujourd'hui, là, tu es devenu enfant de Dieu. Tout ce qui est fétiche, là, ce n'est pas des camels. Bah, on dirait. Tabakwa, Kaoula. Nous, on prend ça, on va jeter. T'as compris? Dieu, il est en toi. Elle-même qui est sorcière, elle ne peut pas me manger. Tout sa complérie ne peut pas me manger. Je n'ai pas mal. Mais ce qui est en moi, là, fait qu'on ne peut pas me manger. Ce qui a fait que tu as eu la vie, pas parce que tu es fort. Parce qu'elle-même, elle ne sait pas. Mais la seule chose, c'est que Dieu voulait te sauver aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que tu n'as pas menti. C'est la seule raison. Sinon, il n'y a pas d'autre chose. C'est la seule raison. C'est pour cela qu'on ne t'a pas mangé. Sinon, ils allaient te manger sur sa rachide. Elle est bien sur sa rachide. Peut-être qu'il y a Gabrou dedans. Elle allait bien te manger. Mais Dieu t'a sauvé. Vous marchez maintenant à Jésus. Après, je vais causer. Il faut qu'on te donne. Tu ne sais pas lire. Tu sais bien, tu ne connais pas. Tu as pris une aide, bien. Comment?
parfait de papier là. Il n'y a pas de degré dedans. Et ils vont lire pour toi. Aujourd'hui, on est même chaud maintenant. Parce que tu as accepté Jésus. On est devenu une famille. C'est la. Si j'attends une personne qui dit, je suis enfant de Satan. Ça vous a choqué, non? Mais il disait la vérité. Il a été sincère. Bon, tu n'as pas Jésus, tu es enfant de qui? C'est Satan. Lui-même, il reconnaît qu'il est enfant de Satan. Parce qu'il sait, les pratiques qu'il faisait. Maintenant qu'il a accepté Jésus, il devient véritable enfant de Dieu. Il faut qu'on t'aide. Et lui, ça m'intéresse de l'aider. Le pasteur, il faut un travail de fond dans sa vie. Il faut parler de la conversion, ce que c'est réellement. Comment un chrétien est converti, quels sont les premiers pas dans le Seigneur. Il faut qu'il ait déjà cette petite notion de la conversion. Bruno aussi, parlez-lui ça, ça c'est important. Parce que je travaille en lui, et pour qu'il comprenne que véritablement il ne s'est pas trompé de chemin. Ça va? Donc il n'a pas pu le prendre. Il faut prendre ça. Ah, il veut plus de tickets. C'est quelque chose, répète-toi, tu veux mettre en poche. Profitez même après de ça. J'ai après de ça. Il n'y a plus de dents. Ça fait quoi? Ouais, nous on connaît. Nous on connaît. Pourquoi tu n'as pas pris l'argent blanc? Non, on connaît. J'ai fini ça. Tu n'es plus là-bas. C'est vaincu au nom de Jésus. Amen. C'est ça là, tu n'as pas l'argent. C'est malheureux. Donner cancer des doigts. Le frère va rester dans ton doigt et quand ça va donner 20, il va avoir cancer. Maintenant, Dieu sera ton Dieu. Là, t'assois. Laissez ça. Le pasteur, prenez ça, allez jeter. Très loin. Loin des regards du monsieur. Oui. Et comme je n'ai pas pu prendre son âme, en guise de récompense, j'ai été envoûté. Elle va se prendre une victime. C'est quelle affaire? Eh, Menaka. Oui. Comme on n'a pas envoyé son âme, on fait quoi? Comme elle n'a pas envoyé l'âme de celui qu'elle devait envoyer, on lui a envoûté dans le ventre. Comme sanction. Ah, ils ont donné sanction. Voilà. Il y a quoi dans le ventre? Mais l'épée. Ouais, il y a une chose dans mon ventre, quelque chose. Mais le père, quel est le père? Ouais. C'est un truc noir dans mon ventre. Comment tu sais que c'est noir? Dans le monde spirituel, quand il m'était, quand je criais, je n'ai pas identifié. Mais pourquoi c'est moi? Mais j'ai tiré. Il y a un haut coup de tiré. Vous êtes quoi les Rouens? Vous aimez les sorcelleries, hein? C'est vous qui avez créé Danse Goli, là. C'est vous? Puis les Baoulés ont pris ça comme pour eux. Vous êtes les vrais, vrais, vrais sorcelleries. Ben, quoi là, c'est vous? Petit, délivré, bien, il y avait pour un peu. Maintenant, tu as convaincu qu'elle est sorcière? Oui.
Et ça, j'en ai pas écrit ça. Dans le message, j'en ai dit, à faire où on parle des sorcelleries. Il y a une brigade pour ça. Allez-y là-bas. Parce que pardon, je ne sais pas. Pendant que je parle, peut-être qu'on va me mettre dans une sorte grève. Ils ont raison. S'il n'y avait pas la brigade anti-sorcellerie, vous allez faire comment? Chacun a sa brigade. Puis les brigades où la table peut de route. Nous, on a brigade où la table sorcellerie. Donc il a dit, ah, il y a une brigade là-bas. Le sorcier là, on peut la délivrer. Tu vas vous mettre un sorcier en prison, il va sortir de son corps pour aller manger. Vous comprenez? Heureusement, aujourd'hui, nous travaillons avec les autorités. Même ici à Divo, quand il y a un problème de sorcellerie, les gens, ouais, on les délivre. Nous, on ne les met pas en prison. On les enlève cette sorcellerie. Toi-même, tu sais que si tu partais, tu allais mourir. Il disait ça. Faut parler bien. Hein? Comme ça qu'il va partir. Oui. Faut pas aller là. Allez partir. Allez rejoindre les gens là-bas. Ils t'ont goûté les choses dans ton ventre. Oui. C'est ce que tu fais là que tu en fait. Comment ça fait dans le ventre? Maintenant les baies. Ça remonte cela pendant les prières. Ah, c'est pendant les prières. Quand elle est en train de prier, ça remonte comme si ça sort. Quand tu pries. C'est bien, tu as mangé là. Tu veux te rembourser, c'est ça? Et puis tu peux manger bête, mais tu peux manger le pauvre beau-père. Tu n'arrives même pas à tirer. Voilà, tu n'arrives la même à ce qu'il est tiré. Tu sens que tu es sucré, tu n'arrives pas à tirer. Tu te lèves. Tu es sucré, tu n'arrives pas à ta nuque. C'est peut-être le moment où il y a nuque. Tu veux quoi maintenant? Je veux que vous m'aidez. Vous-même, vous êtes marié femme. Vous ne pouvez pas aller à l'église. Le Seigneur n'a qu'à vous ouvrir les yeux. Vous mariez des sorciers. Elle a trouvé bien dans la maison. La viande. Elle ne veut pas aller chasser ailleurs. Oui, la viande, elle commence à manger. L'homme, c'est doux. Mais non, non. Bien, non, non. Bon. Oui. Merci que je sois. Pardon pour mes péchés. Merci de m'avoir accepté. Au nom de Jésus, que je prie. Amen. Dieu te protège. Tu crois à ça? Ils ne vont pas te mettre dans ma mitte, en prie. Hein? Hein? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai besoin de tous les sorciers. Allez prier pour eux. Allez. Tous ceux qui sont sorciers. Venez. Enlève-moi les plus petits, là sur les bancs là-bas. C'est tous ceux qui sont là. Il n'y a pas les vieilles mères. Il n'y a pas les vieilles mères. C'est la dernière fois. Je ne force pas quelqu'un. Vous êtes sorcier, monsieur. Vous êtes venu avec qui? Hein? Donnez le micro. Vous êtes sorcier? Qu'est-ce que vous dites que vous êtes sorcier? Vous laissez un peu de rêve là. Qu'est-ce que fait que tu es sorcier? Vous êtes son frère? Comment vous avez su qu'il est sorcier? Depuis 3 ans,
traîne dans... Bon, ce n'est pas une maladie en tant que telle. On a opéré même chez un guérisseur traditionnel. Là. Il détient quelque chose à lui qui ne lui dit pas. Donc, comme moi, je ne suis pas en place, elle a très peu de temps. Et après, je ne suis pas en place, elle, moi, je suis à sa cage. Donc, c'est la maman qui allait faire 8 mois dans un coin. Là-bas. Au moment où ils étaient arrivés à un truc où la dame disait que c'était la potéose, la femme parlait avec la dame qui s'est échappée. Elle ne voulait pas qu'on détienne son secret. Donc, cette année, il est venu à propos. Donc, de propos, comme c'était les vacances, c'était mon petit frère qui insistait à faire qu'il dit que viens, moi, j'ai ce problème cette année. Donc, il est quitté. S'il vous plaît, dégagez, vous qui êtes derrière, tout m'entendez parler. Mettez-vous derrière. Donc, il est arrivé à Sakajou. Il est arrivé à Sakajou, il y a la grande soeur, notre grande soeur est née. Elle ne se sentait pas bien aussi. Donc, elle lui a dit bon, viens à Sakajou. Donc, elle est arrivée. Et on a constaté que depuis un certain moment, quand la grande soeur elle est arrivée, les deux dorment dans la même chambre. Elle est chrétienne catholique depuis très longtemps. Donc elle prie, quand elle prie, le petit papa il ne résiste pas, il sort. Ah d'accord. Il sort. Ça veut dire quand elle prie, lui sort. C'est ça? Pourquoi la prière te fait fuir? Bon, c'est comme si il y a une force qui entre en moi. Et cette force. Mais Tony, ça te dérange. Ça me dérange. Pourquoi? Tu n'arrives pas à dormir la nuit. Pourquoi? Parce que tu es qui? Tu fais quoi? C'est à toi que je demande. Faut pas rester mieux, je suis en train de te demander. Faut pas perdre mon temps. Tu es quoi? Puis la prière, tu fais trembler. Je suis sorcier. Tu es sorcier. Oui. Mais c'est pourquoi tu n'as même pas. Tu dois en profiter pour dire, ah, la prière que tu es en train de faire, c'est tellement truc, c'est là que tu as confessé. Hein? Et tu as dit quoi? Moi, demandé, je leur ai dit. Que? Je suis sorti que l'esprit fait que je n'ai pas dormi la nuit. À cause de la prière, c'est sorti soit la nuit. Et tu, qu'est-ce que tu as fait? Je reconnais que tu es sorcier. Allez, sorcier gâte, sorcier tue. Qu'est-ce que tu as fait? Qui a envoyé la vieille là? C'est pourquoi? Répondez-moi, madame. C'est pourquoi? Je l'ai vu, est-ce qu'elle a parlé? Mais où l'avez-vous envoyé? C'est pourquoi? Non, réponds-moi, parce que papa l'a embêté. C'est ce qu'on appelle une provocation. Ta maman, je ne l'oblige pas de parler. Elle est sorcière. Si elle ne veut pas parler, qu'elle parte. Pourquoi tu l'obliges à venir? Pourquoi tu l'obliges à venir? Elle voulait te croiser forcément. Ça veut dire quoi? C'est elle qui m'a mis ici. C'est elle qui pourquoi elle m'a croisé? De quoi? Elle dit que la magie vient à rêve, donc elle veut parler de ça. Si elle ne veut pas parler, qu'elle ne reconnaît pas sa sorcellerie, demain matin, très tôt, je ne vais pas l'envoyer ici. On est d'accord avec ça? On est d'accord avec ça? Je ne peux pas devenir ma sorcière en rêve. Elle est sorcière. Je ne l'oblige pas à parler. Si elle ne veut pas parler, elle est dans son coin. Vous l'envoyez chez elle. Maintenant, pourquoi donne la force à venir? Dégagez. Allez, dégagez. Il faut que cette volonté vienne d'elle-même. C'est elle-même qui doit sentir le besoin de vouloir me parler. Pas dans, t'as compris ce qu'elle a dit? Elle dit, c'est toi qui l'as appelé. Quand quelqu'un veut changer, je connais. Elle dit, c'est toi qui l'as appelé. Madame. Demain matin, très tôt, vous pliez ces bagages, vous partez. Je ne veux pas vous voir ici. Parce que je ne force personne. C'est comme si on tentait de la séquestrer. Oh non, on ne séquestre pas des gens ici. Il faut l'envoyer. Il faut que les gens suivent ça. Même si c'est direct, il faut que les gens suivent. Parce que c'est les gens, même gens qui disent qu'on fait les montages. Il faut qu'ils suivent ça. Pour que c'est direct, toi, tu dois comprendre ça. C'est les mêmes gens qui disent qu'on monte les gens ici, on leur oblige de parler. Il faut qu'ils suivent, qu'ils ne montent pas quelqu'un. C'est indirect, c'est pour ça qu'ils parlent. Ça aux gens. On ne monte pas les gens. Elle n'a pas envie de parler. Parce qu'elle sait pourquoi elle veut me voir en secret. Elle sait ça. Elle sait pourquoi elle veut me voir en secret. Au moins, je ne parle pas en secret. Ce que tu as fait, c'est la même chose que les gens font ici. Ils disent, c'est pour les délivre. Donc, demain matin, il faut partir avec ta maman. Ou elle, là, elle veut se confesser. Qu'elle passe se confesser là-bas. Il ne faut pas qu'on dise qu'on l'a séquestrée. Parce que ça devient comme une séquestration. On ne séquestre pas les gens ici. Non, parce qu'elle t'a dit tout à l'heure, c'est toi qui m'as appelé. Tu as dit de venir. Je suis bétien, je comprends bien vos bêtises. C'est pour ça que demain, il faut partir avec elle.
T'as compris? Voilà, faut pas qu'on pense qu'on la maintient ici, on maintient personne. J'ai bien dit, celui qui ne veut pas parler, quitte ici. Je vous, c'est pas moi que vous envoyez ici. Vous êtes venu ici pour faire délivrer. Je ne connais pas chez vous. C'est vous qui avez pris vos cas, vous êtes venu à Divo. Pour un objectif bien précis. Vous voulez délivrer. Si on arrive au stade de la sorcellerie, que vous ne voulez pas parler, mais quittez le coin. C'était la place à ceux qui veulent être délivrés. On ne force pas quelqu'un ici. Maintenant, il ne faut pas l'obliger à faire ce qu'elle ne veut pas. Parce que Dieu ne force personne. Tu as compris ce qu'il dit? Maintenant, ce qui va arriver là, ça va arriver. Maintenant, si ça l'a coincé, on va l'accepter ici. Je veux qu'elle expérimente ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Il faut partir avec elle. Quand Dieu est châti, là, va avec elle. La même personne va revenir. C'est pour ça que je suis en train de faire la vidéo. Elle va revenir ici. Ce n'est pas la dame qui ne voulait pas, on a versé l'huile ici, elle n'a pas chié. On ne l'a pas ramenée ici. On ne se moque pas de Dieu. Il faut qu'elle-même, elle expérimente ce qu'on appelle le châtiment de Dieu. Comme ça, elle-même, d'une manière volontaire, elle viendra elle-même confesser. Donc, demain matin, partez. Vous êtes sorcier, monsieur? Oui? Vous êtes sorcier? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai gâté l'argent de ma grand-sœur. Comment? J'ai pris son argent et mis la voiture. Il a pris la encore. Là, tu vas. Vous n'allez jamais cesser de nous surprendre. Monsieur, tu as pris l'argent. De qui? Elle est où? Où elle est? Où est-ce qu'elle est? Là. C'est ça ou bien? Oui. D'accord. Tu as pris son argent. Oui. Comment? En sorcellerie. Et puis tu as mis où? Dans mon cul. Vers où? Dans quel cul? Anis, mais c'est pas joli. Dis ton argent, mets dedans. Où tu as pris son argent? C'était où? C'était dans sa maison. Dans sa maison? Oui. Puis tu as fait quoi? Je me suis transformé par une plante. En quoi? En serpent. Tu t'es transformé en serpent. Oui. Tu rentres dans la maison. Oui. Tu as vu l'argent. Oui. Maintenant, Anis est venu comment? Puis tu as mis dedans. Donc, cuit. C'est cuit ou Anis? C'est quoi, Anis ou c'est cuit? Anis. Anis. C'est comme Kanumba. Les sorciers, franchement. Je comprends pourquoi les blancs vous brûlent. Mais les choses inimaginables. C'est ce que vous faites. Anis, mais c'est joli. C'est pas les bonnes choses qui quittent les dames. Puis l'argent de quelqu'un, c'est là, tu mets, fout ça, fou, comme Kanumba. Tu as gardé ça là-bas. C'est pourquoi? C'est banque ou bien. Mais pourquoi c'est dans l'us du banc? Quelque chose qui est fait pour autre chose, toi tu prends mettre l'argent là-bas. Explique. Ça représente quoi, Anis? Quand on met l'argent dans Anis, ça veut dire quoi? Hein? Dans Anis, là. Il y a pouvoir dans pour toi, là. Ça vous gâte. Hein? Faut pas avoir l'argent. Donc, c'est elle là-bas. Dans le purigé. Il y a quelque chose qui est là-bas. C'est elle là-bas. Non. À part l'argent que tu as gâté, qu'est-ce que tu as gâté? Elle t'a fait quoi? Non. Mais pourquoi tu mets l'argent d'Anis? C'est un choix. Hein? C'est un choix. C'est un quoi? C'est un choix. Ça veut dire quoi? Hein?
La mise un soir. Non, il dit c'est un choix. Un choix de quoi? Tu veux la détruire. Oui. Mais pourquoi? Elle t'a fait quoi? Elle m'a rien fait. Mais pourquoi quelqu'un t'a rien fait? Il peut quand même avoir une raison. Pourquoi elle te fait rien et tu gardes son âge? On peut comprendre, non? On a fait ça. C'est qu'elle est en fauteuil roulant, elle fait quoi là? Tu fous quoi là? Ah! Tu es venu te confesser? Oui. Il y a quoi? On va. C'est en train de faire ma confession, faire ma délivrance. Tu as fait quoi? Papa est aux États-Unis. Trois fois m'ont envoyé aux États-Unis aller tuer mon papa. On t'a envoyé aller tuer ton papa? J'ai refusé. Elle m'a mis en fauteuil roulant. Maintenant, la femme de mon papa, à cause de l'héritage, elle m'a mis en fauteuil roulant. Et aussi mon papa. Hey, stop. Et vous. Hey, stop. Quand tu veux confesser, confesser. C'est une confession. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand on envoie quelqu'un, c'est qu'il est sorcier. Les stops. Je suis en train de parler quelque chose qui est raisonnable. Ici, on n'est pas venu, tu vas nous montrer, faire du coq à l'âne ici. Quand on envoie quelqu'un aller attaquer une personne, c'est qu'on fait confiance à cette personne, elle fait partie de nos confréries. Tu es sorcier ou pas? Alors, vous n'avez pas dit sorcier qui est gentil? Le sorcier est gentil? Non. Est-ce que le sorcier est gentil? Je pense pas. Tu ne penses pas? Je t'ai dit quoi la dernière fois ici? Moi, je t'ai dit quoi la dernière fois ici? Je m'avais dit que je suis un varon. J'ai dit une sorcière, tu as la tête d'un varon. Je ne t'ai pas dit que tu es sorcier ici? Ah oui, oui. Hein? Tu as dit quoi? Oui, j'ai compris. Non, tu dis non. J'ai dit, je ne sais pas. Maintenant, pourquoi tu sais aujourd'hui? Je suis venu me confesser. Quand on doit vous aider, il faut en profiter, il faut sauter sur l'occasion. Je t'ai bien dit, Dieu veut te sauver aujourd'hui. Le problème que tu as fait, que tu es dans le fauteuil roulant, c'est parce que c'est à cause de la sorcellerie que tu es tombé malade. Tu as dit non, tu ne reconnaissais pas ça? Si tu avais reconnu, je te faisais lever le fauteuil, tu marchais. Maintenant, tu reconnais que tu es sorcier? Tu as fait quoi? Tu dis, j'ai attaqué moi. Ça m'a envoyé, tu dis. Allez, tu es mon papa. Parce que tu es dedans. Quoi? C'est en quoi? Tu fais quoi, toi? Moi. Tu es quoi? Je suis quoi? Non. Un confrérie. Non. Mais pourquoi on t'envoie? On ne choisit pas une autre personne, c'est toi qui choisis. Tu dis que tu es venu te confesser. Oui. Tu es venu jouer, nous, mais tu es venu te confesser. Je suis pas venu. Mais confesser, ça veut dire quoi? Oui. Ce que tu dis là, c'est confesser. Oui, c'est ça. Tu as dit quoi d'extraordinaire? J'ai dit que. Tu es sorcier ou pas? Je suis sorcier. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on t'a dit ou bien tu es sorcier? Je suis sorcier. Qui l'a envoyé ici? C'est maman. Non, tu es sorcier. Là-bas, elle criait, elle veut parler, c'est ça ou non? Elle n'a pas envie de parler, mettez-vous là, Théo. Non, je ne veux pas, Théo. Tu veux parler, tu vas me faire parler, moi. Il faut parler, il faut te délivrer. Tu n'as pas pitié de toi? Délivrance familiale. Attends. Tu n'as pas pitié de toi? Tu as pitié de moi. Mais parle-moi de toi. Encore une fois, elle vient. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu mon problème? C'est moi, mais je lève ma main de pierre. Elle dit quoi? Elle dit, elle était là-bas, c'est moi, elle savait la musique. Mais il peut y avoir un semblant. Non. Écoute-moi, moi, c'est mon travail. Quelqu'un qui veut être délivré ne le force même pas. Il part.
J'ai dû faire confession de plus longtemps. Il y a longtemps que je suis là. Tu m'as une fois rencontré, moi? Oui, je vous ai rencontré plusieurs fois. J'ai attendu le pasteur, le pasteur. Moi, tu m'as une fois vu, tu as parlé, moi? C'était, on m'avait... J'avais 22, mon sauf moi. Ah, si tu es sans, sinon, venez pas sans. Pourquoi? Mais venez pas. Madame, je ne suis pas en train de me pas ça d'ici. Maman, je ne veux pas. Tu ne veux pas, tu ne parles pas de pas. Tu es sorcière ou pas? Je suis sorcière. Pourquoi ne pas te délivrer? Mais tu n'as pas parlé, comment te délivrer? Je suis sorcière. Ça est là. Je transforme mon Issa en sorcière. Et tu l'as tué, mon papa, je l'ai refusé. Maintenant, à cause de que tu as la forme de mon papa, ma mère foutait roulant. Mais je te disais la dernière fois que tu étais sorcier, tu refusais. Et vous avez dit ça, madame? Vous avez dit quoi? Vous ne savez pas. Ça n'a pas envie de sortir. Mon papa même, il m'a enfoncé roulant. Tout ça, il faut parler pour être moi. Mais c'est ça, je dis. Tu es sorcier. Je suis sorcier. Ou pas. Mon papa dit. Sorcier qui a bougé quand même. Mais tout dit. De raconter tout dit. Je veux tout dire maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te dire. De quoi? La sorcellerie familiale. Pour mes parents me suivent. Pour m'enterrer avec les autres, je refuse. Quand je me cache, je me cache. Mais pourquoi c'est toi qu'on a choisi pour aller attaquer ton papa? C'est pas je suis l'aîné de la famille. C'est pas une raison. Les gens se sont aînés, ils n'ont jamais été là dans ce délire. C'est ça, dit. Je suis l'aîné de la famille. À cause d'héritage, j'en meurs. Attends, je pose une question. De toi à moi, calme, calme, consent, quoi. Je pose une question. Tu es sorcier ou pas? Je suis sorcier. Qu'est-ce que tu veux? Je vais te délivrer. Mais faut confession, tu dis. Confession, c'est ça, je suis là. Tu es content d'être dans le fauteuil ou non? Non, ça fait 4 ans que je suis là, mon papa, tu es devenu j'attends. Donc ça veut dire que j'ai un problème de sorcellerie qui t'a mis dans le fauteuil. Oui, hein? Donc ça veut dire que si tu ne règles pas ça, tu seras dans le fauteuil. Non. Mon père, tu te. Stop. Ah. Ah. J'ai pas fini. Mais tu parles qu'on t'entend rien. J'ai pas fini. Tu es sorcier ou pas? Je suis sorcier. Tu es sorcier. Tu as gâté quoi chez ton papa? Maintenant, quelqu'un qui n'a rien fait, pourquoi on le punit? Amenez-la, madame. Non, je ne veux pas quelque part. Je ne veux pas quelque part. Je ne veux pas quelque part. Je suis venu ici, je me dis, tant que je ne te dis pas, je ne veux pas quelque part. Je ne veux pas. Tu vas pas. Mon papa, on va entendre la vie de ma vie. Je ne veux pas la vie. Je ne veux pas. Mon papa m'envoie en fauteuil roulant d'avion. Je ne veux pas. C'est pourquoi je suis là. À cause de sorcellerie, tu es sorcier, non? Maman. Tu es sorcier, non? Oui. Il m'envoie chez moi. Tu as attaqué ton papa. Tu as voulu détruire la vie de ton papa. C'est pour cela que Dieu t'a frappé. Stop! Ton papa est pasteur. Ton papa, il est pasteur. Ton papa, là, il est pasteur. Oui. Tu sais ça? Oui. Ton papa est pasteur. Donc, tu ne peux pas aller tuer un pasteur. Non. Je ne peux pas. Tu allais t'agater le sang de ton papa. Tu l'as donné diabète chronique. Toi! C'est ça que tu as appelé, dit? D'accord. Ton papa a eu deux mariages, ça a échoué. Tu as gâté son mariage, tu as gâté sa vie. Tu es venu épouser ton papa à sorcellerie. Ton papa ne peut pas se marier. D'accord. C'est ça que tu ne veux pas dire. Tu allais marier ton papa. Ton papa, il est gentil, il allait t'amener en Afrique, il t'envoie aux États-Unis.
notamment aux États-Unis. Parce qu'il dit quoi à sa fille? Tu as gâté le mariage de ton papa. L'homme n'arrive plus à se marier. Ton papa est pasteur. Tu allais infecter son sang. Tu l'as détruit. C'est ça que tu t'as dit? C'est ça que Dieu t'a frappé? C'est ça que tu as fait, Lévi? Tu l'as fait ou pas? Alors, mais toi tu dis pas? Toi tu dis pas ça? C'était bien pourtant quand ton papa t'a envoyé aux États-Unis. Ton papa, c'est un homme bien gentil. Il t'a pris pour envoyer. C'est qui enfant? On fait envoyer aux États-Unis. Ton papa t'a envoyé aux États-Unis, tu étais bien. Tu allais pratiquer la sorcellerie, gâter le foyer de ton papa. Le monsieur ne veut plus se marier parce que tu as bloqué son mariage en sorcellerie. Tu as gâté toute sa vie. Mais dis ça, on va te délivrer. À son obligé de te forcer. Toi-même, tu sais, elle a convaincu que si elle peut être délivrée. Est-ce que c'est ça? Tu as fait quoi ton papa? Attends, tes parents t'ont dit que tu es sorcier. Moi, je dis que je suis sorcier, que je dois délivrer. Tu as fait quoi, ton papa? On te cache sa vie. Hein? Te cache sa vie. Tu as fait quoi et quoi? Quoi? Tu as caché quoi? Son mariage. Comment? C'est Dieu qui la voudrait. Hein? Son papa, il a une licence en théologie. Son papa, c'est un serviteur de Dieu. Elle a gâté le mariage, son papa. Un mariage, deux mariages. Le monsieur ne peut pas se mettre dans une relation parce qu'elle a gâté sa vie. C'est comme ça, un matin, elle a été foudroyée. Elle est venue en chef pour toi, Roland. Tu as fréquenté la bande? Oui, j'ai fréquenté. Jusqu'à quel niveau? J'ai fait la troisième là-bas. J'apprenais à l'ordinateur. Son père, c'est un ingénieur informaticien. Mmh. Et son papa. Il est pasteur, il travaille Bank of America. Son père. C'est un ingénieur. Il a le bachelor en informatique. Il se marie, la femme, on plie, on bloque toutes ses affaires, ça arrive à la femme. Deux mariages comme ça. Et puis un matin, Dieu l'a foudroyé les nuits bête. Elle a pensé à faire des aveux. Elle est paralysée. C'est là venu son malheur. C'est pas ça? C'est pas Dieu qui t'a frappé? Jésus, n'importe quoi. Dieu t'a frappé, maintenant ton confession va te délivrer. Moi, je suis pas là. Moi, je suis pas sentimental. Tu es sorcier. On t'a mis dans tout le luxe qu'il fallait aux États-Unis. Ils t'ont mis à l'école. Toi, tu es parti à ta sorcellerie pour détruire ton père. Et tu as gâché sa vie. Il ne se retrouve pas. Puis un matin, elle est devenue, Dieu l'a foudroyée. Elle sait pourquoi elle est dans le fauteuil roulant. Elle-même, elle sait. Elle sait. Quand tu partais aux États-Unis, tu étais comme ça? Non, non. Mais pourquoi tu es revenu dans le fauteuil au bloc? À cause de tout ça. Quel tout ça? Parce que tu l'as gâté. C'est pour cela que Dieu t'a frappé. Mais toi, tu ne peux pas prendre le sang-froid pour dire, prophète, vraiment, je suis venu, je sais que tu peux me délivrer, je vais parler. Mais c'est toi qui veux jouer au gros cœur. C'est toi qui veux mentir. Tu rentres ici, j'ai déjà allé tuer mon papa trois fois. Toi, c'est depuis qu'un sorcier a sentiment. Et tu as gâté sa vie. Il ne se marie plus, le monsieur. Il n'arrive plus, il ne se fait plus même à la tête. Toi-même, tu sais que tu es ici, tu peux être délivré. Vous venez dans un endroit où on peut te délivrer. Tant que toi-même, tu ne désires pas la délivrance, que quelqu'un t'envoie quelque part, que toi-même, tu n'acceptes pas de délivrer, tu vas te délivrer. Parce que le salut est personnel.
Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dieu n'est pas mauvais. C'est ce que tu as fait. C'est pour ça que je te retrouve dans le fauteuil blanc. Tu dois prendre la peine de dire, Seigneur, délivre-moi. C'est ce que j'attendais de toi. Moi, j'ai béni tout le monde, je ne t'ai pas laissé. Pourquoi j'ai été béni? Pourquoi j'ai été béni? Je me bénis parce que tout le monde a le droit de t'être béni. Mais toi, tu n'es pas tout le monde, tu es sorcière. Ah, les autres sont pas sorciers aussi. Donc tu as bouche. Je veux t'aider. Moi je demande. Hein? Je demande. Est-ce que je demande les sous-sorciers? Mais toi-même les sorciers, je ne les délivre pas. Toi-même, tu vois ici, les sorciers, ils parlent, non? Hein? Les sorciers, oui. Ils parlent, non? Oui. Et puis, je les délivre, non? Mm. Pourquoi toi, tu ne fais pas ça? Oh, je parle. Je parle. Il y a longtemps que tu fais ma confession. C'est mais pas tu n'as pas fait la confession ici, hein? Hein? Tu es venu ici, il y a longtemps, tu as fait? On me laisse rentrer, ça. On ne me laisse pas rentrer. Madame, prenez votre truc, là. Non, je ne veux pas. Envoyez-la. Mais c'est la vérité, je n'ai pas compris ma confession. Tu as fait quoi? Je n'ai pas compris ma confession. Tu as fait quoi? Je suis dans la vérité. Je suis mariée de tout le monde, de mon papa, sa carrière, tout ça. Ta carrière. Maintenant, mon papa a mon père en fauteuil roulant. Je n'ai pas compris. Mais ça fait des fauteuils roulants. Ah, tu as détruit quelle carrière? Quelle carrière? Son mariage, tout ça, c'est de mariage. Tu as détruit comment? Ta jalousie. Ta jalousie? Mmh. Comment? J'étais jalouse de sa deuxième femme. C'est insensable là, tu es jalouse. Mmh. Pourquoi? Parce que tu l'as mariée. Quoi. Mmh. Hein? Toi, tu l'as marié dans le temps. Qu'est-ce qu'il dit? Elle fait trop d'histoire. Non, parce que tu as marié ton papa là-bas, il est ton mari. Mmh. C'est ça? Mmh. Donc, quand il se marie, tu es jalouse. Oui. Comment toi, tu peux marier ton père? Il n'a même pas la crainte de Dieu. Donc, tu vois, quand tu cherches quelque chose, voici ce qui c'est qui s'agent d'après. Hein? Hein? Donc c'est la faute à qui? Hein? À moi-même. Mais donc va doucement. Mm-hmm. Tu parles. Non, je veux tout dire maintenant. Ah, maintenant? Je veux tout dire. Bon, écoute, écoute. Et puis ils vont me détruire en même temps. Ok. Et puis, quand je suis venu au fauteuil roulant, hein? Quand mon papa m'a fait venir en fauteuil. Laisse affaire de fauteuil roulant. Ce qui t'envoie dans le fauteuil roulant, c'est ta sorcellerie. Hein? Avant que tu sois dans le fauteuil roulant, qu'est-ce que tu as fait? Avant que je ne sois, ça veut dire que j'ai gâté le mariage de ma maman, de mon papa. Ah, ta maman aussi? Non, de mon papa. Papa. Voilà. Comment tu as gâté? Elle était jalouse de ses femmes. Tu es jalouse de ses femmes? Et tu faisais quoi? Elle faisait des histoires. Donc. Non, c'est toi qui es jalouse. Non, c'est toi qui vois l'histoire. Elle ne prend pas l'histoire, c'est toi qui faisais des histoires. Elle faisait des histoires avec moi. Maintenant, moi, je fais tout que mon papa prenne mon parti. Tu as gâté son mariage comment? Il prenait ma dépense. Oh. Comment tu as gâté son mariage en sorcellerie? En sorcellerie. Hein? Tu as gâté sa carrière et tu as dit.
Tu reconnais que c'est toi qui as fait tout ça? Oui. Donc va t'asseoir, demain on te prend. Non, je veux pas aujourd'hui. Hey, tu ne peux pas me forcer. Non, je ne suis pas forcée. Ouais, je te dis demain. Je te dis demain. Demain. Elle dit quoi? Elle dit quoi? Mais ça fait 3 ans, tu dis 4 ans que là. Madame, mettez-la dans le fauteuil. Non. Non, dites demain. Non. Demain. Non, je ne peux pas. Demain. On va t'aider demain. Demain. Et pas tout le monde attaque. Elle a grisé la vie de son père. C'est un banquier. Tout son argent, c'est de payer les femmes. Elle divorce, il paye là. Son argent ne sort pas. Il paye le pasteur. Il est pasteur. Elle est tombée boisse. Elle était paralysée. Puis la voix a parlé. Et puis on l'a envoyé en fauteuil roulant. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ici, c'est la brigade en tout chantier. C'est un endroit où on attend tout. Ici, on voit tout, on attend tout. Ce qu'elle a montré au Sampon Papa aux États-Unis, ah là, c'est grave. C'est grave. Elle a poussé la vie de son père. Et puis Dieu l'a frappé. S'il vous plaît, allez régler le problème. Mettez là juste derrière, parce qu'on a envie d'apprendre des choses. Ça va, monsieur? Oui, ça va. Le monsieur qui met dans l'anus l'argent. Oui, oui. Donc tu as gâté son argent. Et tu as mis dans le cuir. Tu as fait combien? Je tue mon cousin. Tu as tué combien de personnes? Je tue deux personnes. Qui est qui? L'enfant de mon grand frère. L'enfant de ton grand frère? Mmh. C'est qui? Où est-ce que à tout beaucoup, il y a un ami qui vient. Tu l'as tué en sorcellerie? Mmh. Comment tu as fait? Je t'ai demandé, c'était déjà ta... C'est un nouveau né. C'est un enfant de qui? De son enfant. Tu n'as pas pitié des bébés. Son enfant t'a tué. Oui. Comment? Tu as tué ton enfant. Tu as tué comment l'enfant? Oui. Non. Vous êtes sorcier? Qui est, elle est venue à qui? Donne-moi le micro. Comment elle s'est retrouvée ici? Mmh. Vous venez d'où? On vient de Divo. Ah, vous êtes à Divo ici? D'Abidjan, pardon. Comment vous êtes retrouvée ici? Bon, je l'avais amenée dans un camp de prière. Et arrivée là-bas, elle a initié pratiquement tout le monde dans le camp. Ah, donc, vous êtes sorcier? Vous partez dans les camps, vous initiez les gens là-bas. C'est ça? Donnez le micro, pardon. Oui, c'est comme ça que vous l'envoyez ici? Voilà, c'est comme ça. L'homme de Dieu lui-même m'a dit, lui, avec son cas, il ne peut pas de venir dans le camp du prophète Joël Crasso à Kimbo. Okay. Et c'est comme ça que je suis venu sur indication. Okay. Voilà. Ça va? Dieu bénisse. On va l'aider, elle sera délivrée. Vous êtes sorcière? Comment vous êtes rentré dans la sorcellerie? C'est que je suis au banc sur le jeu maintenant par la nourriture. Mais quand j'ai mangé, là je suis devenu sorcier. Après avoir mangé, maintenant je ne peux pas m'ouvrir à Dirouise. Que je suis arrivé à Dirouise, je vais commencer à pratiquer la sorcellerie. Vous avez quitté ici? J'ai servi à Dirou avant d'aller sur la ville. Mais quand on est arrivé ici, c'est là que je commence à pratiquer la sorcellerie. La nuit, où tout le monde dort, il me donne un pied chez soi. Ça va?
va l'aider. Je veux qu'on la regarde de la même manière. Ok. Ici, on est plus détendez-vous, voyez, une victime. Et puis, d'ailleurs, ensemble, voyons tous ensemble la compassion de la voix brigandée par le diable. Parce que le diable, il a aussi brigandé. Voilà, donc, aidez-nous à sortir de la main du diable. Voilà. Vous pouvez aller asseoir. Merci. Et puis la nuit, où tout le monde dort, je me réveille, puis je chisse pour goûter la maison. Ah, tu chisses toi? Pour goûter la maison. Maintenant, quand elle est venue chier, tout le monde m'a dévoré. Et puis la maison sent le caca. Quand la maison sent le caca? À vous les sauces. Allez, ça que vous posez, ce sont vraiment graves. Oh, le WC fait quoi? Maintenant, après. Tu as rendu grand soeur prostituée. Tu as fait quoi pour la prostituée? J'ai appelé son âme, le nom de la société. Ouais, tu appelles. Et puis j'ai prononcé des paroles sur sa vie. Hein? J'ai prononcé des paroles. Quand tu as appelé, tu as prononcé les paroles. J'ai prononcé des paroles sur sa vie. Elle est prostituée. Et puis mon grand frère, elle aussi, il a gâté son école. Elle a eu pubé ses trois fois. Et puis il a effacé son nom sur la liste des paroles. Elle a échoué trois fois. Mon grand frère aussi. Lui aussi, il avait eu PPC une fois. Il a échoué, il a effacé son nom aussi. C'est la deuxième année qu'il a eu. Pourquoi, comment elle a eu? Tu l'as lâché quoi? Oui, c'est ma grosse soeur. Il n'y a plus qu'un. Mon grand frère, il a laissé. Puis il n'y a plus ma grosse soeur. Tu es sorti? Tu es sorti? Il est venu avec lui? Tu fais quoi? Tu es sorti comme ça? Ici. Oui. Amen. Local. Il m'a donné de la nourriture. Quand j'ai fini, il m'a donné deux pièces. Il m'a dit ça se multiplie. Je dormais et je me suis retrouvé là-bas. Dans une fête. Et c'est là que j'ai mangé la chair humaine. Et j'ai pris le sang. Et il m'a dit, à mon tour, je dois envoyer quelqu'un. Ma famille, j'ai dit à quoi? J'ai essayé sur mon cœur, j'ai essayé de le piquer, je n'ai pas pu. J'ai donné l'âme de ma maman. Hello. Elle a pitié. Je l'ai programmé plus loin de tes sangs. J'ai programmé ma tante. J'ai programmé mes deux doubles. Et tu as tué qui? Tu as tué? J'ai tué une personne. Comment elle s'appelle? Amita. Comment tu l'as tué? J'ai appelé son âme. Mm-hmm. Trois fois. Mm-hmm. Et je suis allé dans le camp. C'est là que je l'ai transpiré. Le gorgé. Qu'est-ce que maintenant vous voulez? Je veux ma délivrance. Vous voulez être délivré? Pourquoi? C'est la première fois qu'il fait les aveux. Il a l'habitude de faire. Il essaie de dire un peu à ses parents.